Depuis quelques jours, on ne parle que de ce match. Les tribunes se remplissent, les visages sont tendus, la tension est palpable. On va voir ça ensemble tout de suite. Bonsoir à tous, la nuit est claire et dégagée, les conditions sont optimales pour jouer au foot ce soir. Bienvenue dans ce stade magnifique. Je suis en compagnie de mon camarade surnommé la poule guitare, Omar Da Fonseca, et nous allons vous commenter cette rencontre au programme de cette première journée de phase de groupe de Coupe du Monde. Et l'ambiance dans le stade est magnifique, ce qui annonce une rencontre de toute beauté. Consistance, rigueur, détermination pour aller loin dans une compétition, il faut absolument réussir la phase de groupe. C'est important pour mettre en place une dynamique positive dans l'équipe. Voici la composition de l'équipe norvégienne. Une formation assez classique, avec ses deux ailiers de chaque côté. C'est le 4-3-3 traditionnel. Allez, voici la composition des Philippines. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat. Ça permet une bonne domination de l'espace. Et la Norvège, c'est une nation traditionnelle du foot féminin. C'est même une place forte de la discipline en Europe. C'est surtout la première nation européenne à avoir remporté le titre mondial en 1995. Merci Omar. Même si elle a connu une période moins glorieuse, depuis, ça reste toujours une sélection très difficile à bouger. Bolden. Randle. Harrison. Voilà, il faut proposer des solutions maintenant. Allez, les passes s'enchaînent. L'ouverture ne devrait pas tarder. Guro Reiten. Tir contré sans difficulté. Coup franc, faute signalée par l'arbitre. Bonne intervention, la passe est interceptée. Très bonne progression, balle au pied. Oh, la frappe, la parade, quel arrêt sur cette action! Il y a tout dans cet arrêt, la présence, la perspicacité et surtout la personnalité. Les 3 P. Allez, ce coup de pied arrêté et joué court.
Ah oui, excellente intervention dans la surface. Et bien vu ça, le ballon en profondeur. Allez, hors-jeu signalé par l'arbitre sur cette ouverture dans le dos de la défense. Oui, mais l'appel des balles avait un temps d'avance. La défense ne s'est pas laissée piéger. Le ballon est maintenant récupéré. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Goal ! Voilà le premier but de la rencontre. Celui qui te libère et qui te donne la confiance. Le secret de ce bombazo, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de fouet. Donc au tableau d'affichage. Ah, il s'est bien joué dans la profondeur. Brighton. Engen. La frappe. Ah, bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et finalement, pas de danger. La parade n'est pas seulement esthétique, elle permet de maintenir l'avantage d'un petit but. Et peut-être que cette intervention va entraîner une réaction. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Frida Manum. Egerberg. Ça progresse bien dans la moitié de terrain adverse. Oh, l'égalisation peut-être. Oh, le super geste défensif. Une chance d'égaliser peut-être. Et ça passe. Voilà l'égalisation. Et les deux équipes qui ne se lâchent plus. Mais quel match! Oui, égalisé juste avant la mi-temps, ça brouille un peu les pistes et ça permet de rentrer au vestiaire dans une très bonne disposition d'esprit. Et on s'arrêtera donc là-dessus. C'est la mi-temps de ce match. C'est le début de la seconde période dans ce match de Coupe du Monde. L'action se construit dans le camp adverse. Le ballon vers la surface de réparation. Pas trop de difficultés sur cet arrêt. Graham. Oui, c'est bien fait. Et c'est dedans. Le but pour le doublé, magnifique. Il n'y a pas de secret. Quand la confiance est là, les buts s'enchaînent. Quand le mental est présent, les performances sont exceptionnelles. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée et il vient ouvrir tout à la défense. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là.
Ah, le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. À Nice. Très bonne défense et ce ballon est repris. Le ballon circule en attaque. Ouais, le ballon est bien intercepté. Randle. Excellente la séquence de construction. Quel bon centre, toujours dangereux dans la surface. Ah, et le pressing est efficace là. Oh, la bonne parade. Ouais, changement donc et des deux côtés. Ouais, c'est un corner bien joué, bien frappé. Ah, c'est mal joué, c'est mal fait. Et attention, il y a toujours danger. Ah, il s'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Ah, le contre est possible. Un face-à-face à négocier. Et c'est au fond. Les voilà. Avec un avantage de 2 buts maintenant. Et ça commence à être plutôt confortable. Regardez, tout va très vite dans cette contre-attaque. La récupération, la passe en profondeur, c'est parfait comme on bien mené. Et à la conclusion, un ballon à jouer assez proche de la cage. Il ne manque qu'un coup de soufflage pour marquer le but. Alors que le match reprend, nous rappelons le score, 3-1. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Long. Eh oui, bien vu la passe. Eh oui, le duel est remporté. Touche. Le ballon change de camp. C'est un ballon de contre à jouer. Ah, la défense un peu lente pour redescendre. Ballon dangereux en profondeur. Bien placé, attention. Et oui, c'est dedans. Bientôt la fin de ce match, mais encore des buts. Troisième but d'avance, quelle démonstration. Quelle contre-attaque. Regardez un peu, il y a la vitesse, l'intensité, l'efficacité, l'accélération, tout y est. Et derrière, Laurent contre un gros boulet de canon dans le filet, hein, histoire de se faire plaisir. C'est une bonne manière d'évacuer les tensions. Ah, l'avance est encore plus confortable et ça semble presque impossible d'imaginer un retour de l'adversaire. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ah oui, l'excellent ballon! Interception et récupération du ballon. Graham. Le ballon est récupéré. Ça y est, c'est terminé. Et c'est donc une victoire dans ce match de Coupe du Monde. La supériorité dans le jeu, dans la volonté d'être protagoniste du match, c'est tout ça qui leur a permis de gagner.